Bonjour, Jérémy Colou, je suis élève en bac pro agroéquipement à la maison familiale de Chemillé. Donc, je vais vous présenter notre projet d'utilité sociale. Donc, dans le cadre de notre formation, nous avons réalisé deux composteurs. Tout d'abord pour valoriser les déchets de la cantine. Donc, on a réalisé deux panneaux pour expliquer notre activité. Donc, le déroulement des composteurs, le déroulement de la décomposition des déchets, le but, les règles qu'il faut effectuer. Donc, on a réalisé deux composteurs en bois. Donc, on a réalisé un autre panneau sur les déchets qu'il faut mettre dedans et ne pas mettre pour que ça se passe bien au sein de la MFR. Bonjour, Caroline Duval, monitrice à la maison familiale de Chemillé. Donc je me suis occupée avec ces cinq jeunes de la création des composteurs. Donc nous avons pu effectuer ces travaux grâce à la subvention du crédit éducatif du conseil régional, donc pour fournir tous les matériaux. Ça a été l'occasion pour nous de nous renseigner aussi sur tout ce qui est développement durable au sein d'une collectivité, d'effectuer beaucoup de recherches dans ce sens.